bonsoir à tous. Voilà, comme vous avez pu le voir, Big B, qui sera notre invité aujourd'hui, nous a préparé quelques petites choses assez sympathiques, ma foi. Comme la première vidéo que vous venez de voir, voilà, Gay Nasty, quand Noam a dit... Qui sera lié à d'autres vidéos, bien entendu. Ouais, bien évidemment, ouais, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Comment ça va, Big B? Eh bien, ça va très bien. Écoutez, la régie me dit de vous dire que tout se passe bien. Et oui, bonjour, je suis en direct de Guggenheim Einem. Et c'est un plaisir de faire cette émission avec vous. Et j'analyserai donc pendant toute l'émission à peu près ce que je fais. Regardez, hop, et oui. Donc à ce moment-là, ce que j'analyse, c'est que j'ai levé mon doigt. Hop, mais regardez, il y a une vitesse différente. Bref, tout ça pour revenir à, c'est un vrai plaisir. Et oui, l'émission 100% comestible, de par mon départ, a été rappelée Gay Nasty. Et oui, Gay Nasty est une superbe série qu'on vous conseille de regarder. Bientôt sur vos écrans. Voilà, bien entendu, j'avoue, c'est la première fois, Big B, que tu participes à cette émission. C'est en vrai. Sur le plateau. C'est vrai, c'est bon, vrai. D'habitude, je suis en virtuel. On a déjà besoin d'un bouche-trou pour remplir un poste à un moment ou à un autre. On a dit pas mais de perso. C'est la première fois. Pas de perso, fois. Mec. C'est la première fois qu'on t'a invité. D'habitude, tu es indésiré. Et là, on t'a invité pour une fois. Des fois, je m'invite. Mais là, c'est la première fois que vous m'invitez. C'est vrai. Comment ça te fait sentir? Est-ce que ça réchauffe ton petit cœur? Je me sens à peu près au niveau de Soaz. Peut-être 9000 moins 1, tu vois. Mais c'est vraiment beau, quoi. D'ailleurs, je vais te supporter aujourd'hui. Pour cette première game. Alors voilà, quel est le programme? On lance une première partie en classé avec Bibi qui remplace Crafty en AD carré. Donc forcément, un genre de qualité. Et oui, car ils ont décidé de faire du Hilo aujourd'hui, et oui. Et après, vous allez pouvoir défier dans une prochaine game, vous allez pouvoir défier le dieu des trolls, voilà, comme vous l'avez nommé sur Facebook. Il paraît que t'étais ce qui incarnait le troll sur gaming. C'est pas vrai, à la base, peut-être le Jésus des trolls, mais le dieu, c'est quand même beaucoup, après tout. Ah, mais t'inquiète, on le considère énormément, hein. Merde. En tout cas, tout ça pour en venir à, mais malgré tout ce qu'on vient de dire, ne quittez pas, il va y avoir des vidéos trolls entre les deux. Je me demande s'il y avait un retour sur ce plateau, et en fait, pas du tout, non? Non, ils ont enlevé le retour. Remettez le retour, militons. Bon, et du coup, Big B, tu t'en vas après 2 années de bons et loyaux services. Ouais. Attends, Tristana. Parce que bien évidemment, on t'a laissé le last pick. Ouais, non, mais surtout que j'ai failli pas pick. Ah. Ça s'arrêtait beau. Oh, ouais. Et est-ce que Cardel, tu peux mettre la caméra en pleine face en numéro 1 ? Allocution présidentielle, s'il vous plaît. J'ai une allocution à faire, voilà. Allocution trop lidentielle, peut-être. Dis-moi si c'est bon. Eh bien, bonjour. Et tout ça pour vous dire au revoir. C'était ce que je voulais que tu fasses. Mec, je voulais que tu fasses ça, t'es trop fort. Par contre, fallait continuer et marcher longtemps normalement. Mais je suis entouré Je suis entouré de câblage. Je vous ai entendu. Bon, tout ça pour en venir. Je vous ai compris. Beaucoup de gens me questionnent pour savoir où je pars. Et donc, effectivement, vous avez remarqué. Vous avez remarqué que Bob, Twix et Ledge sont partis de Millennium. Zerator a arrêté la Zerator TV hier et effectivement ça a aucun rapport mais comme tous nous nous retrouvons sur Eclipsia 1C4 voilà. nice troll. Attendez parce que je vais parler de je vais très certainement parler de My Major Company en fin d'émission. Je crois que Windows va reset. Ah oui. Il va redémarrer ton PC, ton fameux My Major Company. Oui. Donc voilà, dis-nous pour quel projet tu veux le monter en fait. Alors le truc c'est que faut avouer quand même l'e-sport c'est pas ça niveau thune. Donc en fait je vais faire un My Major Company pour monter un kebab. Ça marchera en plus. Sans doute. Il y a des projets plus cons qui ont marché. Le plus gros sandwich tu l'appelles le nez. T'en penses quoi, Billy? Bon, celle-là elle est gratos, ok. Ouais, j'avoue, elle est facile. Échelle. Comment tu fais la Sensi? Ok. On une veille bande de boons. Ah ouais. Bande de boons. Ouais, j'ai des flèches avec moi. T'as bien dit bande de boons. Bah, c'est nouvel envers. Ah ouais. Moi je croyais que c'était un mélange de booze. Alors et de noob. On tient à préciser qu'on n'a pas notre stuff. On joue pas sur notre gear. C'est vrai, ça compte énormément. Et, quand on a des et du coup, j'ai ma sensi qui est un peu différente, donc je me sens pas vraiment à 100% là. Allez.
T'achètes pas de stuff, Bigby? Attends. C'est... Des invités avec nous sur Skype. Alors attends, est-ce que c'est des vrais invités ou c'est des belges? C'est copie de Sevins, quoi. On y va? Attends, j'ai pas de stuff. Non mais... Bigby. Oui, bah attends, j'ai pas de stuff. J'arrive. Oh oui, Vince, parfait, tu prends la vision. Garde la main. Hop, c'est bon. Okay, on les défonce ou pas? J'ai pris mes potions de reggae. Copitz, tu fais quoi? Copitz. Copitz, il sauve. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Z, c'est, ouais, il est gratos. Vas-y, grab. Il est gratos. Non mais j'ai pas Papa Schultz. Mon film. C'est bon, j'arrive. Poison pour la phase de lane. Je suis en backup. Pas mal ton... Et d'ailleurs, Copitz, tu peux me dire pourquoi t'as pris Kassa contre Z, en fait? Parce que... Solide. Je ne vide pas, ça, je ne c'est pas de la ward, mec. Late. Ah oui, ça, c'est de la ward très solide. Alors, vas-y, Copitz, tu peux me dire, alors, pourquoi ton pick Kassa contre Z? Ça m'intéresse vraiment. Je vais pêcher un milliard de kills sur les autres lanes. D'accord. T'en fous du Z. D'accord. Bah, écoute, je nous souhaite que ça, en fait. Même si je suis pas sûr que ce soit le cas. Voyons voir. Donc là, je joue mon Singe. Il faut savoir que c'est un personnage avec lequel j'ai une certaine tendance à... Pas mal ce départ de jungle, Vince. Merci. Ça m'a envoyé du lourd. Alors, que penses-tu de la conf du LOLC maintenant que tu es admis sur Sky, Bigby? Bah écoute, elle me rappelle assez régulièrement que des gens de ma famille sont morts du cancer. Parce que ce thème est souvent... Oui, on aborde de temps en temps, mais ouais, ça arrive souvent. Des maladies rares, etc. Auto-attaque, Bigby, il faut pas se laisser push au début. Chez autrui, j'ai des vilains lags. Moi aussi. Pas moi. J'ai juste à prévenir, j'ai vraiment des vilains lags. Je mine. En fait, les creeps, il faut que je les mind game, tu vois. Enfin, je me dis, je crois qu'on est pas sur la bonne connexion. On a changé de connexion hier, je crois. Ah. Un peu pareil, ouais. Ma connexion est vachement en bois là, je trouve. Mon Bibi qui se prend un peu de free poke. Je t'ai dit, il faut que tu auto-attaques. Le fait de se faire push avec un blitz, c'est vraiment relou. Ils ont niveau 2 avant, plus rien faire. Tu te fais encore free poke, regarde. Regarde comme c'est mauvais tout ça, Bigby. Ah, mais arrête de me parler, je me concentre. Je suis en train d'ouvrir ma deuxième porte de chakra là. Fais confiance à nous, hein, sa maîtrise du blitzcrank qui est absolument hors norme. Oh là. J'arrête pas. Ouais, j'avoue, joli level up. On sent que ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Quelques jours. C'est pas vous, j'ai un gros freeze. C'est les serveurs de Riot. C'est les serveurs de Riot. Ouais, on me dit ça. Dans le c'est ce qu'on dit à chaque fois. Je peux pas bouger. Oh breaking news, moi ne peux pas bouger. Ça y est, tu. Mais j'ai oublié de flash out. Non, mais je peux pas bouger aussi. Putain. Ah, c'est une certaine. C'est dommage. C'est dommage, Bigby. Tu me sens un peu déçu. Bah, on sait bien que sans ça, ça aurait pas été la même chose, mais bordel, c'est super chiant. J'aime bien partir avec des désavantages, comme ça, ça donne un peu d'enjeu. Non, parce que là, c'est quoi? Ça doit être des diamants. Enfin, bon. En face, c'est un diamant, c'est des diamants en face? Ouais. Bon. Ok, moi j'ai. C'est vraiment intéressant. Là, je suis vraiment dans les serveurs de Riot qui plantent. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais après, je. Imperaz. Ah, tout le chat dit ça. C'est trop relou. Bon, bah, c'est pas grave, on fera du Dota. C'est genre. Allez, défonce-le. Pourquoi pas, allons-y. Si ça marche. Bon, Bigby. T'es chaud ou pas? Je sais pas si je suis chaud, mais on va se faire défoncer. Et pourtant, c'est assez rare. Non, mais je peux pas bouger, c'est trop chiant. C'est assez rare que Noah dise qu'il est pas chaud. Hein. Non, mais je peux pas bouger, c'est trop chiant. Quoi. J'ai. Ah, c'est injouable. Bah ouais, c'est un. Ah bah, mec, c'est dur. Hein. Regarde, je peux pas bouger là. Bon, les mecs, on joue à Dota ou quoi? Pas mourir. Rigolo. Non, mais. Franchement. Jamais de la vie. D'être même pas cap. Bah, on va pas jouer à StarCraft 2 quand même. On a quand même un minimum de respect pour nous aujourd'hui. Parce que tu as désinstallé, ça faisait plus de 8 mois que je l'avais pas lancé. Ah, donc tu. Voilà, constatation, tu t'es dit, si même mon PC me demande de le désinstaller. Mon disque dur. Putain, je peux pas la stream. Ah, si. Bah, faut dire que ça reste un jeu limité, quoi. Ben ouais, complètement. Alors, moi, c'est bien pour la scie, j'ai Sing, donc je passe et je mets du poison. Par contre, pour Bigby, j'imagine que ça limite considérablement tes mécaniques. Bah, déjà qu'il est pas ouf en temps normal. Oh putain. Bigby réplique, bordel. Putain, attends, non, mais je parlerai avec mes vidéos un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Ah, oh, c'est vrai que t'en as une patinée en plus sur toi. Mais... Elle est gratos, ouais.
Oui, elle est vraiment... On a mixé des vidéos privées avec des vidéos. Toutes les vidéos du tournage pour Mighty Quest, en fait. Il nous a fait tourner des plans exprès pour les mettre dans sa banque de données. Mais il savait qu'ils ne serviraient à rien, ces plans, mais il les a fait tourner pour ça. Ah, quand tu pars d'une société, tu sais qu'il faut partir avec des dossiers. Non, mais c'est les dernières sextapes de noix, en fait. C'est ça. Tu sais qu'en parlant de sextape, je ne l'ai pas mis, cette vidéo, non. Déco, mec. Et franchement, j'ai hésité, mais je celle, tu fais du nose fucking. Le fameux nose fuck. Je pense que t'as pas envie de me chauffer sur cette vidéo, sinon on va la diffuser. Bon, comment tu t'en sors? Alors, niveau lastite, 16. Ah oui, parlons d'élastite. À 33. Honnête. Ah, Bigby qui est en train de bouger. Non, mais je peux pas bouger, putain. Ah. Moi non plus. Mais je peux pas bouger. C'est trop chiant. C'est vous qui laguez, Bigby. Oui. Le serveur, ça vient de nous, hein, ça vient pas de serveur. Hein. Ah ouais. Bah... Il faut changer la connexion, je crois qu'on est sur une mauvaise connexion. Ouais. Ah, les serveurs lag un peu, mais pas plus que ça. Je peux faire des L-tab, Cardel? Ok. Oui, t'as pas ou pas bas? Je peux pas bouger. La pression, enfin, mais la pression, putain. 32 contre 43, je suis un peu derrière. Mais go sur Tariq, putain, mec. Alors, il y a des gens qui sur le chat qui disent SVP, pas de sextape avec des Chinois. Je pense que c'est parce que les gens sont pas habitués à des films de cul avec des petites bites. Bon, t'y vas ou pas? Et mec, c'est trop tard. J'ai pas entendu ce qu'il dit. C'était tellement méga gratuit. Ah, il paraît qu'il y a un Z. Ah, un Z, ça en bas. Ah, t'es tellement en noir. Je peux pas bouger. Oui, j'étais là, je pouvais plus bouger. Tu sais que quand on s'attaque à des membres des forces de l'ordre, j'en ai un, je crois, avec ta combinaison, et bien c'est passible de nombreuses années de prison, etc. Et même d'une amende, je crois. Ah bah c'est prison. Caron un jour a sorti une très bonne blague pendant la MLG. Ah ouais. Ah c'est chelou. Mais Caron il est fort pour la les blagues. La blague la plus raciste de la terre. Mais c'était pas voulu hein. On était dans la cuisine et quelqu'un il mange une grosse vanne et il fait genre ah toi tu vas finir en prison, on va te faire sodomiser toute la journée. Et à 4h du matin il veut ressortir ça devant la caméra, il fait non mais de toute façon toi tu vas aller en prison avec des noirs. Gros flop dans la salle, tout le monde se lève. Et regarde, le regarde bizarrement genre il a pas dit bravo. Ça. Bravo, okay. Ah, c'était exceptionnel. Mais c'est parce qu'il vous dit dans les sons et tout. Bon, je pense qu'on a plus de problèmes pour moi. Bon, que ça. C'est très relou parce que mon personnage se frise tout seul. Ouais, ouais, j'ai la même. T'as pas ça, Chips? Bah, moi, vous savez. Moi, je peux pas bouger. Moi, vous savez, j'ai Singed, hein, donc là, c'est pas grave, je cours. Est-ce que tu penses que tu peux changer la connexion, mon Cardel? Moi, j'arrive en bas. Je crois qu'on est sur la mauvaise connexion. Est-ce qu'on l'avait changé hier pour Mighty Quest? Parce que là, le truc, c'est que si je m'avance trop, il suffit que mon personnage s'arrête. Ah, bah voilà, comme ça. Voilà. On en parlait justement. C'est un exemple. Oh là là, j'arrive pas à épanouir mon skill. Bah ouais, je sens bien que là, tu es un peu comme un oiseau qui arrive pas à prendre son envol. Comme un pigeon. Si tu veux. Un pigeon, ouais. Un pigeon royal. Donc Bibi, si tu étais un volatile, tu serais un pigeon. Voilà, reste là. On va se faire défoncer. Super. Bien joué. C'est pas mal. On est pas mal. Pas mal. On est toujours pas mal. Ils sont 6. Bon, Vince, tu vas Karim? Ça sent le face sur end. Mec, c'est tellement des animaux, botlane. On voit de quoi tu parles. Alors là, donc, on présente donc Vince, qui est le directeur marketing d'OGaming. C'est lui qui fixe le prix des t-shirts chez nous. Oui, donc si vous voulez vous plaindre, c'est Vince, quoi. Il s'occupe de faire la livraison également. Là, au début, il se passait par la poste, mais il s'est acheté un berlingot. Et depuis. Une ermite. Pour faire des économies. Du coup, il voyage, il sillonne un peu la France. Je fais le tour de la France. Et sur son capot, il a son petit PC portable sur lequel il peut faire du League of Legends. Et c'est on ça. Lui dit coucou. Là, t'es du côté d'Amien, c'est ça? Ouais. Pour ton Tour de France. De... Je peux rien faire. Je frise. Une fois le Tour de France par semaine, en fait. La game a l'air d'être tellement passionnante en bas. C'est trop la détresse. C'est d'une rare difficulté, là, on dirait. Tu vas pour aller donner un coup et tu as ton perso qui reste tanké en plein milieu. Mais Vincent va en bas peut-être. Hein. Parce qu'ils ont vraiment l'air d'être dans la tournante. Donc, Il a déjà été, ça c'est très mal fini. Allez, ça sert à rien, mec. Attendez, qui est mort? 0-2. Et j'arrive pas à creep, c'est l'horreur. Oh là là, j'en peux plus. Ils sont en train de me tuer, les mecs. Hein. Ok, il y a personne en bas. Attention, j'annonce, signal. Tu lastites. Ah, oula, ouais, là c'est dur.
Là, j'ai eu un dur freeze, quoi. Dur freeze. Ouais. Un freeze. Ce qui est marrant, c'est que Xing, là où tu vois que c'est un personnage à skill, c'est que ça se trouve, tu laguais depuis tout à l'heure et tu t'en es pas rendu compte. Oh, peut-être. Ça se peut complètement. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de voir logiquement, Copit. Et il va en reposer une là maintenant. C'est comme tu sais si tu jouais. Attends, on est patient, Non. C'est pas ce qui. C'était pas le. Mais montre-toi, toi. Vas-y, on s'en fout, t'es top. Ah. Non, mais c'est comme Yorick, tu sais. Tu peux jouer avec des touches en moins, c'est pas grave. On est bien là. On est pas mal, ouais, dans ce petit bouche là, tous les deux. Ça me rappelle cet été. Plutôt à la fraîche, ouais. Ah oui. Les petits noix de bouche. Les bouches de noix. Il y a Z qui décale en haut. Pas mal. Ouais. Z en top, hein, j'arrive. Ah ouais, vous y allez comme ça, vous. Bah ouais. Oh, il prend le kill. Sentier. Superbe. Superbe en haut, superbe. Sentier pi, comme on dit chez nous. Je crois que tu. Oula, 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 Z. Non mais c'est n'importe quoi. Ils ont. Oh, je meurs pas. Je suis beaucoup trop tanky. Quel seigneur. Je sais. Vince. Yep. Si tu veux faire un play ou un truc. Si non, faire un verra. Non, mais vas-y Vincent, arrête tes conneries là. Perdez votre tour, c'est bien. Moi je veux voir du beau jeu. Oh putain. On a signé pour du beau jeu ce soir. Hein. Oh, vas-y Big B, saute dedans, j'arrive. Ça va être génial. Fais-moi confiance. Ah, attendez, ah, moi je regarde pour en bas. Pour le coup, il y arrive ça vraiment. Regardez ça. Allez-y, oh là là, noir, le point chargé au corps à corps, le dash qui est utilisé. Regardez Vince. Regardez Vince. Il est là. Hop. Coup de pied il au cul. Il est là. Oh là là. Allez, là là là. Et c'est Noah qui prend. Il a LTP. Qu'est-ce qu'il fait le Kennen? Je sais pas trop. Il est pris pour un fou. Vas-y, ça fait trop beau. J'ai plus de mana pour le hook, j'ai utilisé pour KS. Attends, je vais faire un play. Oh, le cul qui touche, Vincent, incroyable. Tristana, Enkidu qui est dans la mêlée. C'est superbe. Moi, Vincent, je vais push. Oh là, oh là, oh là. Non, non. Je me casse. Quel gros plan de merde. Viens sur moi. Encore une fois, les joueurs ont vu que qu'un support, quand ton support est nul, c'est chaud. C'est chaud. Bah, je reste à nulle part. C'est un gros problème quand ton support est nul, c'est vrai. Oh, j'ai tellement envie. Alors, le chat parle d'argent, donc c'est un chat sportif classique. Ouais. Est-ce que ça parle de MMC aussi? Jusqu'à là, on est pas mal. Non, ils ont fait ça, ce sera toujours lundi 19h. Ah! Il y a quelqu'un qui parle du site Cultenclick. Alors le site, je connais pas. Bah oui. Alors Cultenclick.com, donc qui s'affiche à l'antenne. Donc c'est un site qui est majoritairement fait pour faire de la pub. Voilà, regardez, on balance des pubs en permanence. Non, donc c'est le site où vous pourrez donc retrouver Cardel, Kerr et moi toutes les semaines. Alors au début, ça va être un site sur lequel il y aura juste le live de Cultenclick, et avec le temps, on en fera certainement un blog, on mettra des news, un peu nos coups de cœur et autres. Et je pensais certainement, je vais faire une série de vidéos donc sur la nouvelle chaîne de Cult & Click, qui sera un peu les reviews, les vidéos du net, où je vous mettrai les pires pubs que j'ai trouvées, etc. etc. Intéressant. Et donc voilà, les pubs de Big B ne disparaissent pas. Non, je vais lui créer sa série de vidéos. Alors là, je suis tellement en train de me faire jambe. Et le truc, c'est que ce sera toutes les semaines, toutes les deux semaines, on verra. Je pense toutes les deux semaines au début. Mais je suis vraiment chaud pour continuer à faire des vidéos à la con. Bonne nouvelle. Et je pense que sur ça, j'ai des facilités. Ouais, ouais, non, mais non, je confirme. Hein, quand il s'agit de dire de la merde, il y a pas un don. T'as un don, Big B. Bon, les défenses, c'est deux en bas, là. Go. C'est wardé devant, là. Voilà, c'est pas grave. Alors, tac. Vas-y, gauche, TP. Allez, ça TP. Ah, oh là là, attention, ça carré. Bien vu. Hop, 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 hop. C'est la grosse mille, ils sont bien paqués, les mecs. Mettez-leur tout. Vous donnez Mercure. Attends. Parti. Bon, je vais je vous laisse. Oh là, Copis. Oh là, Copis. Le slingshot qui touche, Copis. Le stun sur le Riftwalk, t'es dans la merde. Pas mal. Je te l'annonce. À moins que Vincent. Oh là là, incroyable. Vincent, les mécaniques, oui, mais ce n'est que le passif qui proc. Tu t'en sors quand même. Ah, pas chance, non. Et oui, notre responsable marketing, on sent qu'il est plus habitué aux lourdes touches de la compta que les agiles tous. Très investi dans son travail. De League of Legends. Un grand comptable, Vince.
Non, mais moins que Noah, faut le dire. Oui, je sais. Et moins que Noah, surtout. Noah est quand même... J'ai eu ma période de règne absolue sur les finances d'Alta. Noah est quand même le comptable, le comptable historique de la boîte. C'est le mot historique. Alors, déjà, on a des détails, on a remarqué. Premier. Celui qui a créé la dynastie des comptables gaming. Le premier du nom. Alors, il y a beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on n'est plus sur Twitch. Mais on a fait une vidéo. On a fait une vidéo pour expliquer ça. Mais oui, mais visiblement, les gens ne sont pas assidus. Ah, mais allez sur la chaîne au gaming. À 16 minutes, on se prend une tour, c'est dur. Non, mais mec, là, on joue pour le bon jeu. C'est le meilleur comptable. On notera que je suis le seul en positif de l'équipe. On va emporter le paiement différé. N'empêche, ouais, quand j'avoue, les gens ils doivent se dire attends, c'est moi qui faisais la compta chez le gaming avant. Et c'était vraiment ça. L'apocalypse. C'était vraiment ça en plus. Ouais. Pas la compta, je réunissais des factures. Non, mais tu le faisais bien, tu me sors du coca s'il te plaît. Je sais pas trop si t'en mérites. Est-ce que vous êtes chaud là? Est-ce qu'on est? Est-ce que vous pensez qu'on va se le faire le. Qu'on va se faire quoi? Qu'on va se faire défoncer? Merci. Non, je pense pas, je vois pas pourquoi tu penses à ça. C'est le tien. Regarde, on a Enkidu là qui est chaud. Je t'avais dit. L'odeur du kill qui va se faire jump dessus par Zach. Allez. Enkidu? Oh là là. J'ai pas dit. Oh là là, c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Ah, Vincent, il a tellement humilié l'autre. Attends. T'es ridiculisé en plus. On y va. C'est au Drake, les mecs. Vas-y, on le charge. Bien sûr. Mais c'est chaud, j'ai envie de faire une game. On prend Lucian. J'ai envie de faire une vraie game. Lucian. Vous êtes sérieux? Pourquoi vous comptez sur lui? Il y a Lucian tout seul. Mais on y va, on va le chercher. C'est trop tard là. Et j'ai mis très loin le Z, c'est bon. Bon, vous avez fait de la merde. La stratégie est respectée. Je vais fuir le Z. Il y a le dragon, Vincent. Et après, ouais. J'arrive. Je pense qu'on est bien. On a qu'à le faire. Hein. Alors, moi j'annonce. Donc je démissionne de Gaming Club, donc j'en ai rien à battre. Si les serveurs Riot ne fonctionnent pas, je mets les logs Skype du responsable e-sportif de Riot. Pour qu'il se fasse des DOS. Oh, ce serait très dur. Attends, je suis sur une compète, je me connecte à Skype. Plus d'internet. Bonne idée. Excellente idée, Big B. Ah, ils nous ont pris un inhibiteur en bas. Bien, bien. Ouais. Non, mais vous savez, moi, je suis sur mon îlot de la top lane. Hein. Tel Darien. On est beaucoup à être les élèves de Darien, finalement, dans l'équipe. Il y a Copit, il y a moi. Moi, 0-6, je reviens. Hein. J'explique mes mécaniques de jeu. Tu reviens quand, Big B? Là, tu as FK Fontaine, c'est ça? C'est... Ou tu as FK Farm, peut-être? J'ai FK Farm. Comme dirait Mister MV, j'ai FK Farm, j'essaie de récupérer du CPM. Okay. On va tellement se faire souiller. Mais non, faut se battre. Non, attendez, j'arrive. Battez-vous. On prend 3-4, on y va. Ah. J'arrive. Est-ce que tu peux crier liberté? On fight. C'est bon, j'en ai bait pas mal sur moi. C'est chiant, mec. Ouais. C'est bon, on est bien, là. Ouais, on est bien. Ouais, ils sont bien HP. Regarde, ils savent pas où aller, ils savent pas l'eau, ils sont perdus. On y va, quoi. J'ose même pas utiliser mon ulti pour rentrer dedans. Mais rentre dedans, bordel. Vas-y, rentre dans le victime. Allez, copie, ça va de la merde. Allez, silence, l'eau. C'est ça, copie. Je l'ai pas tué, quelle déception. Quelle déception. Non, t'es pas trop nul, sinon. Ah, mais c'est tellement chiant d'être en plein teamfight et de pas pouvoir bouger. Oh, je me suis fait défoncer, Noir, sous la tour, peux-tu tenir? Oui. Bon, alors, c'était une game vraiment intéressante avec... Ceci dit, je finis en neutre. Non, Big B, c'est ton cadeau. Ah non. Neutre. Moi aussi. 1-5-1 Noir, 0-3-2 copie, 0-6-3 Enkidu. Bien. Non, Big B, c'est ta soirée, t'es à 0-6. Ouais. Bah, faut bien que ça m'arrive un soir. Heureusement qu'après, tu vas jouer contre des viewers. Tu vas pouvoir carrer. À chaque fois qu'on stream, normalement, je suis le mec qui carry, et là, ce soir, je suis pas là. Putain, c'est dur. Non, c'est pas faux. C'est la malédiction du plateau. Demande à Silver ce qu'il en pense. Oh là là, Vincent, superbe. Merci. J'ai beaucoup aimé. On y va. Attends, j'ai du mal à passer à travers cette foule. Putain, sérieux. Ça va? C'est pas trop mal. Casse-toi. Je crois qu'il est en train de nous humilier. Oh là là, l'humiliation. Bon, bah merci les mecs, c'était cool.
Bah de rien, on a apprécié nous aussi la game. Donc bon. Du coup, la question que j'adresse à la régie, est-ce qu'on peut changer de connexion internet et le temps de la pause? Attends. Hello guys, can we change the connection please? On peut pas. Ce casque, comment vous gardez votre sérieux et tout quand vous avez ce casque? On peut apparemment, super. Comment on garde notre sérieux? Je sais pas. J'ai envie de balancer une petite vidéo de d'Epic Loot Feuille Maïtique Noix. Version remixée. Ouais, bah oui, elle vaut le coup, elle est vraiment pas mal. La remix. Elle est très dure. Elle est très dure. Bien sûr, création made in Bigby, hein, on est tous d'accord. Cardiel. Et pendant ce temps-là, on saute de connexion. C'est ce qu'on appelle la version Director's Cut. Pendant ce temps-là, on saute de connexion, c'est ça? Ouais. On va courir. Cardiel? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Alors, qui le lance? T'as envie, c'est toi l'invité. À toi l'honneur. Hein. Eh bien, bonjour à tous et retrouvez-nous pour une vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Ubisoft. La fin a été écrite par donc, des gens de. C'est une vidéo corporate, tout simplement. Donc, regardez. Puis c'est le coming back de Noix, quoi. C'est vraiment. On a essayé de faire une version commerciale du trailer. Ou le back. De Epic Loot. Là, c'est la version vraiment Director's Cut artistique. Voilà, j'ai envie de vous dire. Elle était trop bien pour être diffusée. Et toi aussi. Et re-coucou. Donc c'est bon, on a changé, on a plusieurs connexions internet, on a pris une qui lag pas. Comme ça, on va pouvoir jouer tranquillement. Alors il faut que les deux boons qui sont à ma gauche et encore à ma gauche acceptent l'invitation. Et après, on va pouvoir jouer contre vous. Envoie-la-moi cette fameuse invitation. Oui. Est-ce qu'on peut balancer une autre petite vidéo et en fait, c'est une vidéo découverte. Parce que j'avais envie de vous faire découvrir les passions. En fait, tu veux pas te connecter plutôt, Enkidu? C'est fait. Je suis connecté et tout. Ah, je... C'est dans la game. Ouais, ah oui. Regarde, bim. Tu vois, regarde. Alors, le nom de la game, Chiz, passe à gauche. Ouais. Alors, c'est la partie d'Arcanum et le mot de passe, c'est AZQS. Et pendant que les gens rejoignent la game, donc j'allais dire, donc, en fait, j'avais envie de faire de cette émission aussi une découverte des passions de Noix. Et du coup, on va diffuser une petite vidéo. En fait, et Noix va. Tu n'étais pas censé être là, donc tu mets tout sur moi ce soir, c'est ça? C'est ça. Et du coup, on va découvrir un peu donc, une passion de Noix et il nous en parlera après. Et on se retrouve après une petite page de vidéo. C'est presque midnight. Yeah, j'ai pris une chance qu'il puisse encore être. Are you getting a head start on your term paper? I've got to give the toast at Lexus. Okay. I've got to give the toast at Lexus. No. Donc on a dû flouter pour le caractère incroyablement pornographique du reste de la scène. Et donc, Noix, pourquoi cette vidéo parle-nous, qu'évoque-t-elle? C'est Smallville. C'est Smallville. C'est Rick, tu adores? C'est Rick que j'ai regardé. Que tu adores? Donc un moment bien choisi par tes soins, Bigby. Non, c'est une bonne série, bien cucu, bien nul, bien con. Mais honnêtement, voilà, tu poses ton cerveau, tu le mets à côté de ta chaise. Et ça se regarde, tout comme tu peux jouer à Dota ou... Une fois que t'as mis ton cerveau sur la chaise, tu lui fais l'amour ou tu regardes vraiment? Comme ça. Parce que vraiment, la série... Je tripote du bout du doigt, je lui chatouille le lobe frontal. Je lui chatouille. Tu lui chatouilles. Voilà. C'est ce que je fais avec mon cerveau, je le chatouille. Très bien. Oh là là. Enfin, bon, je me fais quand même bâcher par un mec qui regarde Angel. Hein. J'ai arrêté depuis quelques semaines, déjà. C'est la soirée dossier. Et pourtant, le season finale est vraiment stylé. Mais bon. Angel, je connais pas. Bon, du coup, tu fais une pique, Yinch. Ouais, donc voilà, les viewers contre le LOL c'est Barça, on est allé vite pour rattraper un peu le temps perdu dû à cette mauvaise connexion internet. C'est tryhard ou pas? C'est quoi tryhard pour toi? Lissine. Ça, c'est tryhard? Non, ça, c'est pas tryhard. Clairement pas.
Mais vu la vitesse des games, on va peut-être pouvoir en faire 3 ou 4 avant ouais. dans la prochaine heure. Peut-être. C'est le but. On est sympa. C'est pour ça qu'on enchaîne aussi vite. Hein. On est conscient que vous avez tous envie de jouer avec Big B pour... Pour la dernière émission de Culting. La dernière émission de 100% comestible, eh oui. Est-ce que tu es prévu dans d'autres dernières émissions? Peut-être. De tous les trucs. En fait, je vais faire la dernière émission de toutes les émissions jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et que ce soit la dernière. En fait, je réalise les émissions de demain, de Memory Card et de Minecraft. Tu n'es pas là jeudi. Et je ne suis pas là jeudi. Non, c'est vrai. J'ai assez peu de skills pour FIFA. Ouais. Tu veux vraiment me lancer sur FIFA, là? Tu veux qu'on lance des dossiers, là? Et donc, pourquoi non, je suis parti? Pas un amateur de foot. Non, ça n'a pas vraiment de rapport avec FIFA, quoique. Et donc, du coup, les gens donc, peuvent découvrir qu'on est fan de Mineski. Oui, on soutient. Oui, on soutient Mineski. On a deux Rengars, mais Copits, on sait très bien que t'es le meilleur des Rengars. Donc il y a beaucoup de questions sur le chat, donc effectivement, donc je parle chez Eclipsia avec le Bolt, le Bob, etc. Enfin, ça c'est à la condition que les viewers donnent suffisamment d'argent sur notre My Major Company qu'on a monté qui s'appelle Au Secours, Bolt et Bob. Et c'est un kebab pas loin de Anières. Bref, de l'e-sport, ça nous amène un peu partout. Je raconte de la merde, les mecs. Vous ne me trouvez pas tout de suite. Non, on sait que tu es 100% sérieux. On va avoir des posts sur certains... endroits. Sur certains endroits. Des posts assez intéressants. Non, mais c'était l'honneur, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai vu que pour la première fois, il y avait un article sur AA. Oui. Et je me dis, 2 ans dans l'e-sport, j'ai réussi à jamais faire de troupe, à côté de troupe dans la force. Ouais, d'ailleurs Cardel, ouais, mais parce que le problème de Cardel, parce que Cardel, il, je sais plus ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que je m'occupais des VOD. Ouais, c'est le cadreur. Ouais. C'est excellent. Mais parce que tu recadres bien les choses en fait. C'est vrai, hein. Non, mais tu cadres bien Cardel, ceci dit. Non, mais l'article. Bon, après on se moque, mais l'article est plutôt sympa. Oui. Et voilà. Mais Cardel. Ça, au début, j'étais parti pour dire, ah, ça y est, je vais pouvoir bâcher un article qui parle de nous, c'est tellement rare, je vais le faire. Et j'arrive, j'ai l'article, je fais. Ouais, non, bon, en fait, il est sympa l'article. Il est cool drôle. Et tout. Et par contre, ça part très vite. Et du coup, sur, ça part sur le premier sujet de l'article. Hein. Ouais, ça part sur la ZTV. Il y a des gens qui demandent, c'est vrai que tu pars chez Eclipsia, donc tu peux peut-être leur rappeler que oui, c'est vrai. Donc, en fait, le truc, c'est que ça dépend d'un même major compagnie. Si vous me filez plein de thunes, je pars pas. Sinon, j'y vais. C'est ça. Non. Je, ça n'a aucun rapport. C'est des coïncidences de timing. Qui sont assez amusantes. Qui sont assez. Moi, ça me fait bien marrer en tout cas. En plus, Zerator et tout, on s'était parlé le soir d'avant, il m'avait prévenu. Parce que je lui ai dit, est-ce que tu étais chaud pour venir sur Cult & Click? Et il m'a dit que ça lui ferait plaisir, mais qu'il ne pouvait pas parce que lui-même, il annonçait la guerre. Enfin, la guerre. Il annonçait qu'il arrêtait Zerator TV. Attends, Bibi, reste dans ce buisson. Ah, je peux pas pinguer. C'est la cafétéria d'Eclipsia. Est-ce qu'il va être host par Eclipsia? Me trouver à Ashford. Tu peux ouvrir un fichier Nishix à Ashford. T'as mes Jinx, ça a l'air tellement pété comme perso. Tiens, hop. Donc tu l'aides ou pas? Vous m'aidez les mecs ou enfin je joue bon, oui. Panthéon hein. Oh là là, oh Big B, incroyable. Mais ça... voilà, tu vois. Mais les mecs, allez vous faire foutre, vous me laissez seul avec le golem. Oui. Ah, t'as personne qui t'a pu vous aider. Mais vous êtes des mais sans déconner, mais des bruits à chien. Non mais alors les mecs, je gangue jamais sur vos lanes, hein. Si vous crevez comme des merdes. On est pour rien avec Big B, on a fait le first. Non mode, mais non. Je sais, vous c'est pas le problème, c'est les deux gros yinches là. Tu parles du responsable. En plus, attends, parce qu'en haut, on a un duel de skills. C'est Rengar contre Rengar. Aucune excuse, Copits. Hein. Il n'y a pas de match-up. Il y a un moment où tu sers à quelque chose en bas, là. Non, mais le mec, vous êtes 2v1. Poutrez là. Mais oui, normal. Mais il me laisse prendre les coups. Tiens, autre attaque. C'est ça que tu sers, non? T'es prêt, Big B? Attends. T'es prêt, oh là là, Copits, incroyable. Qui gagne son duel en 1 contre 1 contre le Rengar en face. Voilà, la botline des génies. Et oui, et oui. 3-0. L'expression, c'est dire facile. On est facile. EZ. EZ. Serein.
Oh là là. Non mais c'est un festival de skill, hein. Reste dans les cris, puis peut rien nous arriver. Ouais, là t'es mal quand même, hein. Ouais. Noix qui tombe. Attends, c'est pas fini, y'a Bibi qui se donne. Bibi qui flashe. La barrière. Oh là 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 là, et qui va tomber finalement. N'empêche qu'il a combien de kills? À 3-1, c'est raisonnable. Eh oui, c'est raisonnable. Belle entame, Bigby. Bah, j'essaye de la jouer. Là, on sent la rage de la partie précédente. Ah, bah, la botlane, elle est frustrée. Hein. Complètement. La botlane, clairement, elle est pas venue pour coller des gommettes. Ça, tu te fais pas trop défoncer, mid? Non, ça va. J'avoue, par un poisson. J'essaie de faire la vraie. Ça va. Je suis en train d'en chier. Y'a un mec de. Je suis mort. Oui, donc pour le. Donc la question que les gens se posent sur le chat, c'est. On a juste changé de connexion. Et oui. Ah, tu m'as regardé, merde. C'était dégueulasse. Tu m'as regardé, mec. En fait, je pensais que t'allais venir. C'était magnifique. C'était puantissime, mec. Tu veux dire. Mais c'est pas grave. Moi, je compte sur ma botlane pour me carrer. Tu peux dépouche tout ça? J'arrive. Non, mais pas toi. Foiré. Drouk, il nous a dit quelque chose, Drouk. Yep. Ah, Enkidu, ça touche. Elles sont où tes fameuses esquives? Pas mal. Moi, j'ai compensé. Je suis en train de mater la science du last hit de Bibi. J'ai dû compenser. Et là, il a plus de lag. Hein. Là, il a plus l'excuse du lag. J'ai dû compenser dès mon plus jeune âge le fait que je savais pas Juke par le fait qu'il fallait que je pose tous mes last hit. Définis le mot, s'il te plaît, Bibi. C'est le truc qui permet de mettre des musiques et tout dans les. Ah ouais, le fameux. Ça. C'est bien ça. Vas-y, noix, hook. Oh, t'es sérieux? Comment c'est même possible? Vas-y, hook. Hook. Mais j'ai déjà hook, enfoiré. Lui m'a touché par contre. Allez. Bibi. Enkidu, t'es sûr? Hook. Mais j'ai pas de cooldown. C'est quoi ce gank moisi? C'est chiant, t'es jamais de cooldown. Tu fais comment pour pas avoir de cooldown? Quel gank moisi? Bah, celui-là. Bon, vas-y, on push. J'arrive au top, copie. Oh oui! Voilà. Oh oui, le juke! Tu vois, le fameux. Le juke. Ouais, ça se tréma comme ça. Allez, noir. Vas-y, tu peux faire de la merde. Vas-y, fais de la merde. Bon. Ah, pas mal. Les meilleurs partent en premier, on le sait bien. Merci, c'est galant. Big B. Pourquoi mes spells? Attends, j'ai mes spells qui fonctionnent pas. Fais chier. Ouais. Oh, non, j'ai pas. C'est pas possible, y'a du monde. Attends, mais. Comme d'habitude, hein, la botlane attise toutes les convoitises. Oh allez, il va tomber. Tombe. Tombe les signes. Oui, 500 gold, c'est ça, petit. Du coup, bah. Non, c'est un tarot bientôt, Chips. Ah, j'espère qu'on joue du blé. 4 centimes le point. Ok, je peux me faire combien? Pour l'instant, le premier est parti avec 25 euros une fois. Pas dégueu, 25 euros, ça passe. Oui. Enfin, tu sais, c'est un coup de garde de compte. Alors, Aurel qui dit ouais, Ponf l'a dit hier, Bibi retourne dans la pub. Alors, c'est pas 100% c'est pas vraiment de la pub. Ça. C'est plutôt du porn. Je vais travailler dans le porn. Je vais, en fait, grosso modo. Alors, coïncidence oui, je ne crois pas. J'ai monté ma boîte d'audiovisuel, donc je vais faire des prestations de streaming, ce genre de trucs. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent que du coup, j'ai réalisé le festival Electro Beach. Et Eclipsia, comme certains disent. Ben voilà, pour le porn. Et le truc, c'est que. En fait, après, je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais donc. Sur une autre chaîne, certainement liée à Cult & Click. Voilà. Certainement. Et donc tout ça, vous pouvez le suivre sur @GregIsBigBee sur Twitter. Voilà. Comme ça, c'est placé, j'ai fait mon moment. Merci à tous. On peut carrer. Elle lance des bouchons de champagne De quoi? Avec ce skin. Je crois qu'il y a un bistrot dans le buisson. Hein. Oui. La bite, c'est. T'es prêt à péter la voir, s'il te plaît? On est aveugle en bas. Y'a Lissine. Voilà. Hop. Je l'ai joué, safe. Bon, Vincent, tu m'en veux pas, hein, je t'ai pris le blue. Vas-y, pas de soucis. Comme tu m'as fait un bon poulet au début, ça me semblait logique. Yep. Plutôt. Oh là là, mes copines, ça, c'est la folie, hein. Rengar, tu Rengar. La folie au top. On n'a jamais vu ça. Hein. Ouais. En 2 ans d'existence du LOLC, moi j'ai jamais vu ça. Hein.
Il doit bien être puant. Copis, on peut avoir tes impressions, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le départ de Bigby? Je pense que ça me présente. Il est très fort, mais je suis plus fort que lui. Oh là là. Tu vois, là, on sent le mauvais caractère des. Mais on sait très bien qu'il n'y a personne de meilleur que toi dans les match-up. Hein. Je sais. Tiens, je crois que je vais prendre la modestie. J'arrive en bas. Vas-y. Moi, je suis chaud. Ah non, T5. Moi, je suis chaud. On y va. Il y a moyen de faire quelque chose. Ah, Vince, c'est le triplé. C'est le pentakill même. Ou allez. Après, faut viser, quoi. Lui, il est mort. Pêche sur l'autre. Vous l'avez? Non. Moi, je prends les creeps, pour l'instant. Oh, sérieux? Oh là là, il va vous niquer. Non. Il y a cru jusqu'au bout. Mais hein. Non, moi, j'étais derrière. C'est beau, hein. Il y a des gens qui abandonnent jamais, ils sont mental. Bon, on le défonce, le poisson. Oh. Je suis pas sûr. Aussi. Oh là là. Merde. Oh, t'es déçu. Ah, attention, ça. Anticipation. Ça vous prend un revers. En tout. Hop. Je skip. Pas mal comme la skip, pas mal, j'ai apprécié. C'était fait avec style. Tu m'insultes, brol. Je t'attends à la sortie. Je te donne rendez-vous à la PGW demain. Dojo. Je te donne rendez-vous au dojo de la PGW demain. Est-ce que demain. Tu te souviens de ce pote on, que t'avais on règle nos comptes. Oui. Ah, c'est l'histoire, c'est on cherchait un las pour play. Bah ouais. Le chef nous fait ouais, j'ai un pote, il est sympa, il est pas mauvais, et le mec ruine. Il ruine et ruine, donc forcément Vince se fout de sa gueule. Et le mec fait moi, je t'attends au dojo. Je vais te défoncer. Il y a aussi la Pilietti caverne. Ah, celui-là il était très bon aussi. C'est le mec qu'on avait ruiné avec Vince qui joue au mid. On l'avait ruiné deux games d'affilée, il était un peu au fond. Je vais venir te chercher à la Pilietti caverne. Oui. La fameuse. La célèbre. L'endroit un peu underground. Copix. Oh ah, là 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 là, c'est là un génie, Copix. Non, mais c'est pas drôle si tout le monde carry cette game n'est plus dangereux. Bah, moi j'ai donné quelques kills, hein. J'essaie de rééquilibrer la game. Pas facile parce que vous jouez vraiment bien, les mecs. Je tiens à vous le dire. Tu m'attends toujours. Alors, question piège sur le chat. Les gens nous demandent est-ce que tu réponds vraiment à tous les commentaires Facebook? Moi? Non. Ouais. J'en réponds à pas mal. On répond à deux en général. Yazi, oui, qui passe aussi de temps en temps. Souvent. Sur Chips et Noir. Alors, tu fais combien? 1m85, 101 kg. Ça bah, sera toujours moins long que ma tub. Bah, là vu tes dimensions, je vais utiliser une main. Voilà. Une main. À la base, je voulais pas en utiliser. Là, je me dis quand même que bon. Tu es dans une notion de pour lui donner du plaisir ou... Oui, tout à fait. Je vais juste utiliser ma bouche. Tazer, il a la pression. De quoi tu parles là? Bigby, t'es chaud? Bon, d'accord. Moi, je suis chaud, je vous regarde. Hein. Allez, Noir. Hop, point chargé au corps à corps. L'ulti, on veut le grab. Oh, super, ça touche la Jinx, elle avait rien demandé. Allez, Bigby. Oh oui, l'ulti au corps à corps. Magnifique, ça fait un kill, peut-être deux. Neolithium qui est là. Attendez, je baille mon truc. Viens vers moi. J'arrive. On continue. Allez, ça peut le faire. Il est tanky, voilà, ce petit lit. Hein. Ah, il y a mes creeps. Mais c'est surtout que j'ai préféré sécuriser le kill du. Ah, je l'avais. T'étais à des kilomètres. Oh, c'est le creep qui a décalé. Tu étais à des kilomètres, mon Benoît. On peut le dive si vous voulez. Hein. Moi, j'ai mon. Vas-y, on le dive. Divez. Divons. Ah, c'est parti, ça a touché. Oh. Ah, je le zone. Tu sais quelque chose un jour ou c'est quoi le principe? Moi je vais pas. Je zone. Bah c'est bon. J'avais tout prévu. Grosse. J'aime pas trop quand tu laisses. Non mais les mecs, je vous ai quand même donné le signal de la charge. Enfin moi vous y seriez pas allé. C'est un peu l'effet placenta, tu vois. Je suis pas vraiment là. L'effet placenta. Ouais. Placebo, connard. Ah pardon. Oh merde. L'effet placebo. Ça n'a rien à voir en plus. Non, ça n'a rien à voir. On y va. On y va. Non. Oh merde. L'effet placenta. Bah ouais. Ah, t'es dégueulasse. Ça te dit rien? Après, c'était quoi? Ah oui, dans la dernière VOD, je vais écrire l'autobiographie de Justin Bieber. Très beau, ça. Oui, je sais. Très beau, magnifique. J'ai pas percuté sur le moment. Non, moi non plus. Bah, j'ai dit de façon tellement naturelle. Je dis pas, t'as des origines chinoises. C'est vrai. La colonne verticale. Ah oui, c'est qui l'avait faite, celle-là? C'est Bill Silverlight, que les gens aiment appeler Bill Matthews. Commentateur de Minecraft, donc.
Oh là là. Je crois que c'est le jeu que je comprendrai jamais. Bah... Ouais, c'est le jeu qui me fait peur. J'ai peur de... Tu vois, tu ouvres le truc, tu poses deux cubes, et là, après, t'as ta famille qui te découvre un mois après. Ouais, j'ai construit un monde entier. Moi, vraiment, le truc, c'est que pour ce truc-là, les MMO, je suis à faire flipper. Il fait un peu froid, quelqu'un va-t-il ouvrir la porte. C'est pas un MMO. Non, mais je te mettrai mon pull, t'inquiète. Ton petit cardigan. Tu viens? Tu viens, Bibi? Ouais, j'arrive. I'm coming. J'ai des bottes, c'est bon. Dabu. 28, fair game. On est pas mal. Close game. Bah, vous voyez, il y a des mecs à gangbang dans la jungle. Ce soir, on fait en sorte en fait de, bah, de faire les choses vite. Pour en faire beaucoup, tu vois. Oh là, je suis. Oh là, je vous suis ou je peux push un peu? Bah vas-y, hein. J'ai envie de prendre un inhibit. Oh oui, c'est crit. Enfin, je tente la tour comme un seigneur. Tout à fait. T'es prêt, Vincent? Vas-y. Oui, moi je suis prêt. Flash. J'ai un flash, hein. Il y a Lee Sin, hein, juste là. Ah ouais. Il a pas dit. J'ai fait une arrow, les mecs, sur des creeps, mais c'est une honte et ils m'ont mis à l'entente, quoi. Tu l'as pas touché? J'ai touché le premier creep, c'est tout. Il a flashé. Ah, voilà, voilà, voilà. Ouais. Bait, thank you, bait. Okay. Attends, il y a un mec qui se fait détruire au mid. Ah, j'ai lagué. Ouais, j'ai lagué. C'est ça que t'as vu? Ouais. Oh là là, Copit. Quel génie. Ah non. Y'a. Ah, y'a Fizz! J'ai plus de mana pour Ulti! Y'a Fizz! J'ai plus de mana pour Ulti! Venez là, tu le stun, on le bute! Avec Opitz! Mais non, mais. Oh oui! Non! Mon Ulti, comment il a tué? Allez, Opitz! Oh, t'aurais pu y aller, Opitz! Comment je suis déçu! Zéro charge de charge, de rage! On tente des trucs tellement débiles! Ah oui, complètement! Non, mais attendez, on est à 23-11 et vous perdez le teamfight! On tente des trucs tellement débiles! Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de jouer face à des gens qui nous donnent la game. Quoi. Ils savent que c'est ma dernière game et tout. Ils se disent, c'est un peu, tu sais, comme les trucs genre pour un enfant handicapé, tu sais, tu lui donnes son dernier rêve. Et là, les mecs nous offrent la game. C'est... Voilà, donc Vince donne le rendez-vous. Hein. Rendez-vous dojo de la PGW de votre défenseur. Ramène ton kimono. Mais c'est le responsable marketing de gaming qui vous le dit, les mecs. Hein. De départ. Et en plus, les mecs, ils stream hack. C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais, mec? Casse-toi, vas-y. Mec, t'es un fou, quoi. C'est malaise dans ce jeu. Ah, vas-y, viens. J'ai des potes. J'ai des potes dans le buisson, là. C'est malaise, Copite. Je suis un mec de l'Essonne. Tellement de skill dans ce biscrank. Un concentré de skill. Ça, c'est sûr. Ouais, y a genre, tu l'as pris, tu l'as compressé dans la même boîte. Il y a des syllabes en trop dans ce moment. Attends, faut aider l'autre chien. Et oui. Solide. C'est du bait, mec. C'est uniquement impossible. Du bait pour l'équipe. Point copy, c'est dans la tourmente. Voir peut-être dans la tournante. Il est bien, là. Non, tu vas voir. Eh, si. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent me trap au mid. Non, ça va. Parce que j'allais dire, j'ai vu suffisamment de gangbang pour pas me laisser là-bas. Moi je prends ton hauteur, vas-y Copitz. Quelle déception. Allez, Guillaume Tell derrière. Il en reste combien de vivants là? Pas de viewers? Non, de vivants. De viewers, il en reste deux. Je suis concentré sur ma game, il y a combien de viewers? En fait, pourquoi je l'ai mis si peu, sans déconner? C'est tellement un non-sens. Oui. Allez, je pars sur Trinité. Non. Non, je veux gagner. Non. J'arrive, Chips, viens vers moi. Lance lui des lances, putain. Montre-moi. Oh là là, Chips. Oh oui. Voilà, vas-y. Non. Oh. L'ulti qui m'a loupé, bon, pas grave, j'étais mort. Allez, vas-y, noir. Non, allez, ça loupe. Bats-toi comme un homme qui est là. T'es tout seul, en fait. Viens. Ils ont peur de m'affronter, il a peur de m'affronter tout seul, quoi. Ah, bravo. Non, franchement, c'était une intervention que j'ai beaucoup appréciée. Genre, enfin, ta présence m'a rassuré sur ce coup-là. Tu serais venu vers moi, j'aurais hook le Fizz, tu serais vivant. Peut-être. Et si on se faisait le Drake? Mais j'ai l'impression qu'on a un Drake gratos. Mec. Ça vous dit pas? Ah, plus tout ce qu'on veut gratos, même. Je sais pas où comment tu te fais chauffer. Régard, ça te tente pas?
Bon. Non, vas-y. Il est là. Bon, bah, je vais me la jouer solo. J'ai mon ulti, les mecs, on y va. Mid, la tower. On fait du tower dive, j'ai mon ulti. Ok, vas-y. Vas-y, go. Vas-y, go, 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 go. Non, attends, vous suivez, hein. Vous savez tout ce qu'on doit faire. Bah, tu crois vraiment que je vais aller alors? Bah, moi, je suis chaud. Hein. Si je suis un site, j'ai rien à perdre. Ça, c'est toujours le bon plan quand t'as le carry AD qui est midlife avec, parce qu'il fait le drake tout seul. Oh, il y a de la fight dans la jungle. Vas-y, copite. C'est là, c'est le bon moment. Regarde, tu veux voir ce strike? Oh, non, mec. Et ouais. Aussi dégueulasse les uns que les autres. C'est quoi ton problème? On m'appelle Robin des Bois. Alors, vas-y. Ah oui, tu réalises d'ailleurs la nouvelle comédie musicale de Matt Pokora, Big B. C'est ça. En fait... Oh. Incroyable. Grosso modo, j'ai récupéré un contrat bon goût. Easy, c'est... Un contrat bon goût? Ouais. C'est quoi, ça? Tous les trucs qui ont le bon goût. Tous les clips de M. Pokora. Je fais aussi les Freaky Friday. Je fais... C'est fou. Il pète un câble, Copit. Copie, si bon public, c'est pas dur de le faire rire. Pas mal. Ah oh non, t'es pas trop nul. Voilà. J'espère que tu vas crever comme un gros chien. Laissez-le mourir. Allez, vas-y. Victime pour moi. Alors, je le chauffe, mec. Voilà. La bio-TRK pour finir, c'est un concept. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à appuyer sur tab, hein. Toujours, c'est important de montrer ce qui se passe quand il n'y a pas de lag. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est si important que ça. L'homme qui finissait les kills. Vas-y, j'arrive. Vas-y, retente ta sorgue. Combien il a 11-2? Quel gros rat. Il a rien branlé toute la gueule. C'est pas ma faute si je sais l'asti tout à l'arbre. Ah merde. J'ai oublié de regarder. Ouh, le missile de Jinx est déjà super. Oh là là, mec. Attends, on le pète. Oh là là, ce team play. Moi, j'apprécie. Vous pouvez pas prendre une tour ou un truc? J'ai besoin de 100 gold. Ben, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Hop. Mec, le génie. Cette avalanche de skills dans sa tronche. Le génie. Du coup, attends, je vais aller jeter mon chewing-gum qui me fait chier. Je reviens. Oh, t'es pas trop fit, en fait. Un peu. Il y a le poisson. Oh là là. Oh, chien. Ah, n'y a pas cru. Bah si, j'avais le point plancher, c'est juste qu'il a direct jump. Non mais nous on dit à pas cru. Vous y avez pas cru, pourtant mes grabs ils sont solides, hein. Il y a sur le chat, ça demande pourquoi est-ce que je pars de gaming. Et je pense que je vais faire un petit post de blog sur le site pour dire ça tranquille. Pour toutes vos questions, vous pouvez aller tweeter à Truc, hein, pour demander pourquoi Big à Truc. Ça me ferait marrer qu'il lance une contre-rumeur. ce serait très bien joué. Ce serait très bien joué. Franchement, je dirais oui juste pour... vraiment, c'est pour le troll, les mecs, on est d'accord. Et à Ashford, je me dis, en fait, ils m'ont pris mes papiers d'identité, je peux plus partir. T'es mort, lui, non? Tu es prisonnier. TP, Chips. Hein? TP où? Ah, en haut? Attends, je prenais le blue buff. Oublie. Oh, tu dépopes salement quand même. T'as combien d'AP? Oh, t'as rien en fait. Alors moi je vais attendre ici. Y'a pas quelqu'un qui veut venir? C'est marrant par ici. Où ça? Regarde, ici. J'arrive. J'attends le prochain. Oula, oh là. Est-ce que t'as un peu fait dans ton froc? Oula. T'es chaud, toi. Oh oui, super, quel engage! Et oui. Style. Enfin, si vous arrêtez, si à chaque fois que je fais un skill shot, vous le notez. Vous avez vu la classe mondiale sur l'engage quand même? Moi, j'ai vu, t'as fait ta grappe comme un yinche. Mec, tout était calculé au millimètre près. Ouf. Oh, copite! Je crois que je l'ai touché. Oh, tu l'as tué! Le grappin invisible, mec! Après l'homme invisible, il est là. On peut se retourner, je pense. Hein. Too much skill. Vas-y, je mets un ulti. On est à 37-17. Je mets un ulti dans le tas, J'arrive derrière eux. On recule. Oh merde. Oh, regardez, mais où ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant. Regarde, Vince. PDC ou pas, chien? C'est tout.
fait quoi, lui? Je sais pas, c'est... À quoi servait ton... C'est un peu trop évident. Viens voir, Brawl. Explique à un bronze 5 à quoi servait ton... Oh là là. Vas-y, viens. Hein, touche pas à mon vas-y, pote, mec. Noir. Touche pas à mon pote. Non mais qu'est-ce que tu fous, mais... J'essaye de te sauver. Laisse-toi faire, laisse-toi j'ai faire. J'ai pas besoin d'aide. Allez, quoi, laisse-toi faire, on va te sauver, enfin... on va te sauver. Ok, je regarde, je reste Bolas là. Quoi. Vas-y. Voilà. Hop là. Il esquive tout. Il esquive tout. Il esquive tout. Allez, je le tease un peu là. Le poisson. Vas-y, chauffe-le, chauffe-le. Chauffe-le. C'est parti. Je te chauffe. Le poisson, ils sont tout seuls. Les bolas. Voilà. Que voit votre vue d'elfe? On va tellement se retourner et te péter. Voilà. Oh oui, je prends le kill, c'est un superbe crit. Je le chauffe. Vous avez tué un ennemi. Non, mais c'est pas grave. On tue leur carry contre notre support. On sait bien que c'est worth it. Je suis pas sûr. Ça dépend, hein. Quand tu vois la qualité du support. Ouais. Tout le monde sait que les 11 kills de Big Blitz viennent tout droit. Oh là là, copine. Moins de Blitz. Non, c'est la folie, copine. C'est vrai qu'on est finis un jour, non? Ben, 24 minutes, ça va, on est quand même dans les temps. Je ne contrôle plus mon varus. Merci pour le cri, Bigby. Attends. Je sais très bien, Enoriel. Vas-y, viens. Donc, Enoriel, qui est en vrai Bloody Virgin, la jolie cosplayeuse que vous avez pu rater le The Lane. Oh merde. Et à la Paris Games Week, vous pouvez l'ajouter. Enorie2le. Oui. Non. Voilà. Et oui, et elle est célibataire en ce moment. Exactement, ouais, c'est exactement. Vrai. Plus. Et elle part en plus dans le chez elle. Oh là 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 là, ça troll. Ah. Merde. Superbe, Noah. Oh oui, le hook! Non, tu l'as tué avec ton éclair. Mec, avec c'est, c'était magnifique comme exécution. T'as cherché à prendre le doublé. Hein. Oui, ouais. Oh là là, je crois que je vais lancer une vague de trolls, elle va m'en vouloir. Il y a une tour ici. Attends, je lui demande. Tu en veux à Noah? LOL dating. La pauvre. Ah, l'équipe de trous de balle. L'équipe de non, trous de balle pas absolue. Du tout, me dit-elle. Elle aime bien se faire de nouveaux amis. C'est comme il me dit l'autre soir. Voilà. Parlons-en. Voilà. En plus, il paraît qu'elle est bientôt platine, à ce que j'ai compris. Ah, donc en plus, elle joue bien à LOL. Ah, ben là. Ah, ça, c'est autre chose après. Vas-y, je le hook pour qu'il finisse Vince, il y va pas. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. J'ai vu le hook, je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Allez, on y va, Vince. Vas-y. On y va. C'est bon, t'entends. Là, il y a du renfort. Oh, on les a dépop. Elle est où, Jinx? Elle est là. Mais est-ce qu'elle a été nerf, Jinx, avec ses 1000 non, points encore. De... Oh, copie. Oh, ce qu'il lui met. Oh, merde. GG. J'avais pas les coups. Ça va être le well played bientôt. Il y en a pas un qui doit en réchapper, là. On va aller chercher. C'est bon. Une petite descente de lit en peau de Rengar. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est toujours joli sous la cheminée. Oui. Tiens. Oh, la lance, elle a pas suffi. Bon, GG. Donc oui, vous pouvez faire tab. Alors, fais voir, tab, 16-1-10, copie, c'est pas mal. Une game solide. Hein. Tu peux silence le poisson? Non. Attends, je me colle à qui, c'est bon. Je crois qu'il a pris cher. Merde. Mana pour hook, bientôt. Oh. Ah, tu t'es pas fait trop défoncer? C'est ça. Oh là, reste tranquille. Et on va la finir. Ah non, je préfère troll. Allez. Ah, j'ai pas réussi à prendre notre kill. GG. D'ailleurs, il joue dans une série maintenant. Il joue dans une série. Brooklyn Nine-Nine. Avec le mec de Lonely Island. Merde. Et tu veux dire qu'il a un t-shirt et tout? Hein? Il a des vêtements? Il joue le rôle d'un flic. Donc, il a même un uniforme. Mais c'est un flic qui peut retirer ses vêtements avec des scratchs. J'ai regardé, c'est pas trop mal, c'est pas trop nul, c'est pas ouf non plus.
Eh bien, tu m'offres une transition assez géniale. J'ai une gueule de déterré, les mecs, c'est un truc de ouf. On me dit toujours ça aussi. Et ouais, donc du coup, tu nous parles de pas ouf, pas génial. Ça me fait penser à une des vidéos qu'on a fait pour ce soir, qui n'est ni ouf ni génial. Et ouais, et du coup, on va vous la diffuser tout de suite. C'est celle qui parle de nos amis marins. À tout de suite. Narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi on the sea. Narwhals, narwhals.
coucou. Donc voilà. Tout droit sorti des fantasmes de Big B. Et oui. J'ai nasty. C'est vrai que c'est un peu comme ça que je vous imagine. Hein, à la fois nasty. Ouais, puis ce moment de complicité que t'as filmé entre nous, on est comme ça et tout. Non. Tu sais que pour trouver public. Une vidéo où vous faites vraiment genre bromance un peu chelou, bah, je me suis dit ouais, je vais devoir en chercher. Non, je me suis dit je vais devoir en chercher plein. Ouais, non, en fait, Patrick. Première vidéo chopée. Pas tout très de suite, compliqué. On voit ce petit désir dans la main qui bouge. J'ai juste à faire un petit ralenti. Ouais. J'avais retranscrit le moment, tu vois. Ouais, je sais, mais t'es très fort pour ça. C'est la force retranscrire de l'émotion, c'est de ressentir l'instant. Oui, mais après, quand on t'a ressenti autant de fois... Le nom de la partie, alors c'est la partie d'Arcanum, comme d'habitude, le mot de passe, c'est AZPO. Tu varies. Ouais. AZPO oui. Et tu sens des mots de passe, c'est fort, moi je m'en souviens pas. Allez, encore. Il y en a un, c'est les mêmes. Regarde ce moment. Il y en a deux, Street c'est Fighter, il était déjà là. Brawl, il était déjà là, Street Fighter aussi. Non. Brawl était déjà là, par contre. Street Fighter aussi, ouais. Brawl était déjà là. Street Fighter 86, ça, c'est ma préférée. Perso, c'est ma préférée. Brawl était déjà là. Désolé, Brawl. Ouais, c'est ma préférée. C'est Epic Loot of Anus Noir. Regarde. Moi, j'adore. Et du coup, on dit coucou à mon pote Dorian. C'est dur. Qui joue le Kosovar. C'est vous avez ton étalement de plans. Ah, regardez, ça c'est parfait, tu vois, ça c'est au gaming. Là, tu sens que c'est l'instant, quoi. C'est l'instant T. Oh, tu vois, c'est à ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que je parte de gaming. C'était la ligne à franchir, à ne pas franchir. Oh là. Bon, on fait une botlane troll, Chips. Bah, et où va Big B alors? Dans la jungle avec son Skarner. Tu joues quoi, Big B? Okay. Le Skarner de Big B. Je vote oui. Je crois que j'ai fait des trucs. Non, j'ai fait des Z ces derniers temps en jungle. Vas-y, tout le monde veut voir ce qu'on pense Skarner, à mon avis. Je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi? Bah, le chat, vous préférez voir mon Z de skill? Voilà. Ou Skarner? Sans Z ou sans Skarner? Oh, alors, viens, alors on joue un truc horrible, genre. Des gens qui disent que je pars chez Millennium, c'est pas tout à fait faux. Oui. C'est pas entièrement vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Tiens, regarde, ça c'est stylé. Et oui. Tu veux pas qu'on joue un truc genre Syndra, Soraka? Bon, c'est mort, les gens ils veulent t'en scanner. En fait, le truc c'est que c'est pas parce que j'ai démissionné que je voulais me prendre chez Millennium. C'est juste qu'ils avaient. En ce moment, ils avaient un trou de personne. Je m'en fous. Ils avaient un peu moins de gens dispo avec. Ça me fait rire. Je suis mid, hein. Scarner. Non, vas-y, je joue mid, hein. Par contre, il nous faut des dégâts AD, copie, c'est à toi de les assurer. Ouais. Quoi? Bah, assure les dégâts AD, mec. J'aimerais bien te voir ta Riven, copie. Je suis pas sûr de vouloir la voir. C'est pas trop. Ah mais ça c'est bon, 20 minutes. Si on prend Skarner, c'est possible. Bah on a 20 minutes pour les défoncer les mecs, hein. Dans 20 minutes on les met minables. Avec le Skarner de... Il faut un truc de rush. Bah j'aurais dû prendre... Dans 20 minutes, mort ou vivant, on quitte la game. Ok. Avec Z, généralement je gagne les games en moins de 14, 15. Ouais, Skarner c'est chaud. De runes immondes. Immonde. C'est tout pourri. On peut en parler si tu veux. Bon, je vais prendre Bulle Full AP en fait. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pris l'Ignite, t'as pris quoi? Ignite aussi. Ok, pas mal. Là, pour donc, faire du kill. Coup, 20 minutes, il leur reste 20 minutes à jouer. Et ensuite, on aura du Duel of Champions. Tout à fait. Avec de l'invité, du gros invité, parce que c'est la Paris Games Week. Et qui a le tournoi Road to Paris, donc la fin du tournoi de l'année. Donc le plus gros tournoi sur DOC. Et on a de très bons joueurs, puisqu'on a Grobil, on a Oyo. Grobil. Ouais. Oyo et d'autres. Merci. Ah, c'est juste qu'il y a des mecs... Je sais pas, le pseudo, il est pas mal quand même, Grobil. Mais c'est juste qu'il peut-être il date d'il y a longtemps, et le mec l'a fait quand il était jeune et tout. Un peu comme Big B, non? Ouais. Tu te rends compte que tu seras tapé ce pseudo de merde pendant 2 ans? Ouais. Et là, je vais enfin pouvoir me renommer. Et d'ailleurs, ça vient d'où? Je vais m'appeler Cacahuète. C'était une VOD qu'on avait enregistrée à l'arrache, StarCraft 2, il lui fallait un nom, et c'était Big Bronze, Big B. Ouais. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Le Big Bronze. Et ouais, comme quoi, les premières idées ne sont pas tout le temps les meilleures. C'est comme moi, Chips. Bah, hein, Chips, hein, voilà. Hein. Dur. Enfin, ceci, non, la première, c'était Slip. En parlant de pseudo de merde, Chips, il est pas mal. Hein. La première, c'était Slip. Il a esquivé Slip, c'est déjà ça. Et donc, vous m'offrez un super transition pour que je puisse vous parler. Ah oui, on t'offre une Wonderbox. Donc de là où vous pouvez me retrouver par la suite. Et donc ce sera sur le site cultandclick.com
que je mets hop, à l'antenne là tout de suite. Il y aura des photos donc de Big B régulièrement. Et du coup, on sera live, tous les lundis à 19h pour continuer l'émission ciné. Oh. Et d'une manière générale, comme je n'avais pas envie d'arrêter avec... Vite, Cardel, coupe tout ça, il est en train de faire de la concurrence. Et quand... j'avais pas envie d'arrêter avec les vidéos trolls, donc du coup, je ferai très certainement une vidéo sur les vidéos les plus pourries d'Internet. Et ce sera sur la chaîne Captain Click. Bref, suivez-moi sur Twitter à Greg is Big B. On les agresse. Twitter, n'oubliez pas. Et vous aurez toutes les infos. Prends le silence en premier. Bah, moi, je prends le spam. Hein. Bien le bonsoir, Jean de Demoiseau. C'est qui le jungler, ce Big B? Il paraît que le pool, c'est overrated dans cette équipe. Ah, Big B commence au rouge. Donc t'as décidé d'aller chez A à Big B, c'est ça? En fait, le truc, c'est que je vais être le premier multi-casquette. Je vais être chez toutes les structures en même temps. Sauf au gaming. Est-ce que au gaming es-tu structure? Ah merde. Ça met en émoi noir. Les gens nous disent qu'on a encore des... Bon, les mecs, on est d'accord. Il faut nous laisser gagner en moins de 20 minutes. Oui. Bon, ça se fait, push un inhib en 20 minutes. Hein. Enfin, push une. Enfin, tu viens dans un vrai buisson? J'arrive, moi. On est bien dans la gay nasty. C'est vrai. 18 minutes de jeu. T'écris pas en slashol là, Bibi. Viens dans un vrai buisson. Je sais que ça a tryhard en face. Lol. Tu vois? Ah ouais. Ouais, quand même. J'avoue. Quoique. Ah ouais, si. Ah si si quand même hein. Ah oh, si si. En fait, tu comptais des Big B ou pas pour savoir? Non. Est-ce que bah aidez-le un peu quand même, il a scarmer les mecs, ça pue hein. Et il a pas le skill de chips à la jungle. C'est ça. Tu sais que de toute la saison 2, j'ai pas joué on est toute la saison 3. C'est bien ça? Oui. La saison 3 oui. Toute la saison 3, j'ai pas joué Skarna. On te demande bah, tu te réserves pour les meilleurs moments en fait. On push. Tu veux push. Je suis là à poule assez push au début. Il faut jamais arriver niveau 2 en deuxième. Ah, excuse-moi, je n'ai pas ta science de la bot lane. Effectivement. Je la cite comme une chèvre. C'est dur. On se parle. Bon, c'est pas comme si de toute façon la partie allait durer plus de 20 minutes. Ouais. Plions. Bon, par contre, il faudrait que je touche. Ouais, ce serait pas mal. J'ai envie de prendre Ziggs, hein, tant qu'à faire. T'oublieras pas de me remettre de la mana. Ouais, 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 pas tout de suite. Comment ça, pas tout de suite? Non, mais c'est l'essence de la botlane qu'on a créée, Noah. Tiens, regarde, tu vois? T'as du mana. Ah, mais je l'astique, mais comme un seigneur. Tu mens, c'est ça? Banana, arrête de me piquer, mais... Mais mec, on l'astique tous les deux. Oh, ok. Regarde ça. Ah, superbe! Il y a des scènes derrière. Il y a des scènes, hein, juste derrière, comme ça. Oh, que t'es pas vu. J'ai pas vu. Olé. Oh là là, cette coordination à la botlane. Spectaculaire. Incroyable. Ah, Lee Sin, ça tryhard vraiment en face. Hein. Non, mais tu les mecs, ils allaient sur N. Ils hein. m'ont fait mon raid, c'est chiant. Bah ouais. T'avais qu'à aller en face. Ah, ce push immonde qu'on est en train de faire. C'est ça, là. On t'évitera de te faire buter, s'il te plaît. Merci pour ces heals. Vince, tu peux faire un play? Vas-y, ouais. Allez-y, là, au mid, je regarde, moi. On est en train de faire voilà. Ouais. Allez là. Yeah. Allez là, first blood dans la team. Là. Bon, on savait hein. Il s'arrête jamais. Oh, j'ai voulu te le laisser Vince, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mon personnage a freeze. Dégueulasse comme Arras. C'est sale quand même. C'est dégueulasse. Franchement, on en voit vraiment la sauce. Hein. Peut-être quelque chose à tester un peu plus sérieusement. Vous pensez quoi notre botlane, les mecs? C'est l'avenir. Ils peuvent pas dire autre chose, ils seront ridicules sinon. Quand t'es confronté face à un tel génie, tu n'as plus qu'à prouver en finance. Vu ce qu'on est en train de mettre, fais gaffe, quand même, n'a pas trop de collé sur le côté. Putain. Pas de soucis, je le dose d'ici là. Regarde, t'as vu? Hop là. Allez, superbe. Ça arrase tellement. Oh là là, je sens que je vais devoir essayer de carry le noob au mid, quoi. C'est qui au mid? C'est copie Sexa Riven? Non.
Non, non, c'est... Il nous a pas fait une faker. C'est le responsable marketing. Bon, tu l'époques vraiment, s'il te plaît ? Responsable marketing. C'est ça. Non, mais là, je push. Hein. Je suis pas en mode réflexion. Hop. Tiens, regarde, j'ai pris une de ces petites araignées. Je lui balance ces araignées. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant. Ça, c'est très con. J'avais jamais... Bah, c'est logique, ceci dit, hein, mais... C'est bon, tranquille. Oh, ça fait mal. Ouais, non. De quoi tu parles ? Allez, encore du POC, plus de POC. Il donne quoi votre farm en face ? Ça doit vous pas être facile. Vous conseillez quoi comme, comme item, là ? 1, 12... Oh, on est en train... Un rabadon. Ok. Je vais suivre mon instinct, je vais pas t'écouter. Je suis Aurélien pour les vrais. J'ai mon lit dans deux secondes, j'aurais dû continuer vers moi. Bah, mais en fait, je me suis arrêté tout à l'heure, je regardais un truc quoi. Bravo. Ouais, j'essaie. Ouais. Je te félicite pas. J'aurais dû rentrer dans le buisson et regarder après, mais bon. Alors, qui est mort déjà ? Moi. Pitz. Moi. Ah, on Fondara. Est à 1-3. Ouais, bah, comme d'habitude, il y a que la botlane qui assure. Hein. L'ancienne ouais. botlane, la vraie ouais. botlane. Celle des compositions exotiques. J'ai envie de dire, comme d'habitude, les lanes fail et mon scanner se. You know. Allez, quoi! Oh là là! Oh là, regardez! Regardez, oh. regardez, c'est je baille, mec, je baille pour toi! T'as vu? Ah, il vit juste. Ma présence les inquiète. C'est vrai que ce scanner est inquiétant. Mais c'est, le truc, c'est que c'est mon côté chien fou, tu vois. Est-ce qu'il va flash? Est-ce qu'il va. Tu vois? Ouais, imprévisible. Ouais. Un peu comme les Fnatic, quoi, imprévisible. Miss Copit. Copit? Va te faire péter par et... Copit, bon, gonna die. C'est pas plus que ça, hein, parce que là t'es full mana, c'est un peu frustrant. Ah, mais voilà. Je spam, t'inquiète. Hein. Tu peux check le buisson? Je peux. Voilà. Copit is gonna die. Pas mal. Oh, pas mal, je dis ça. Mais va te faire. Encore! Pas mal, je Tu me demandes de check mais le buisson. Mais oui, t'y serais allé comme un yash, il était là, tu le savais en plus. Bah, tu m'as demandé d'y aller, moi je te fais confiance à Tu check pas avec ton front, tu check avec une boule. Non! Non! Les boules, elles n'avaient pas dans les buissons. Si. Tiens, viens là, mec. Si tu sais que j'aurais des 4, t'aurais tellement de poids. Tu veux pas faire de plays? Bah, après, mais forcément, mais j'ai pas de casque. Ça part du principe que tu le touches. J'ai pas de casque. Bah, arrête. J'entends pas le jeu, mec. Puis faut vérifier, ça révèle pas. Bref, mais mec, c'est toi le support. Prends une ward. Regarde, t'es avec un. Mais non, j'ai pas back parce que tu Charme fais que mourir. C'est Eric. Et ouais, chips et noix, c'est ça aussi. Hein. Ouais, les scènes de ménage comme ça en direct. Oh le stun. Oh le stun. Easy, mec. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on leur mettait vraiment la sauce en plus au début. À part ces quelques morts, regarde, j'ai l'impression. Check le buisson avec une boule. Tu vois, on voit. Bah non. Si. Bah non. Elle est pas là. Tu vois. Là, il y a personne. Hein. On push. On prend la tour. Ouais, ouais, push. On prend la tour. Ils sont à la bleue là. Ah, c'est toi, Bigby. J'ai cru que c'était un ennemi. Je suis un creep. T'as la même couleur. Hein. Ok, Yalicine, cassez-vous. Et alors cassez-vous. C'est pas un problème. Parce que j'ai pas confiance dans tes. Dans ah ouais, non, ceci dit, ils sont 6. Dans tes mécaniques. Ils sont 6. Tes mécaniques m'inquiètent. Oh là là, le oh là 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 là. Oh, ce support, il est exceptionnel. Incroyable. Ouais, je t'ai dit, ouais, je vais te prendre une insecte bien fatiguée. Dans deux creeps, je suis 6. Bah, moi, je suis 6. Pour moi, ce creep. Oh, il est déçu, Lucine. Je pense qu'il est légèrement déçu, ouais. Je pense que Vince, ça, si tu avais un personnage. Ok. Que tu savais jouer. Ouais, je pense qu'il serait inquiet et qu'il voudrait venir vers toi. Vous venez, les mecs? Ah, non, tiens, je balance l'ulti. Ou ça, on vient. Là, là? Ouais. Tu veux que je fasse quoi ici? Attendez, je suis pas 6. Hein. Quand je suis 6, c'est cool, mais. Je suis pas 6 non plus, je suis à 1 point d'XP de 6. Bah voilà, on va prendre. Bah le voilà, allons-y. Il reste 10 minutes. Je m'en fous, du moment que je suis 6, on est bon. On a pris 10 minutes en retard, on doit donc rendre l'antenne 10 minutes en retard. Très bien, je m'arrange avec moi-même. Même si j'ai vendu une oie. On rendra 10 minutes en retard pour Tolki. Pas mal, pas mal. Voilà, je pense que ça va. C'est... Il va venir. Comme d'habitude. Non, mais toutes les Allez, mettez tout. Dégueulasse. Oh oui, j'en tue un. Allez, c'est parti, les mecs, vous pouvez le faire. Noix, on veut ton DPS constant, voilà, allez, plus d'étoiles, non, mais ça fait deux morts, on y va, on continue, allez, la barrière qui tombe du côté du Corki, oh, le kill qui est pris, noix, oh, superbe, les lourds dégâts. Oh là là. Whoop, whoop.
Doublé de Soraka. That's super. Trop solide. Toujours impressionnant. Bac. Incroyable. T'as toujours pas fait ton bac? Non. Pas besoin, regarde. Alors, Henry the Hammer. Donc j'imagine que le hammer, c'est son pénis. Les boules de Syndra de la vision. Si tu stun avec, sinon non. Et ouais, évidemment, je faisais référence. C'est bien référence, ce que je me disais. Je faisais référence ouais, donc, à. Mais non, mais tu me demandais de stun un mec. Ouais. Bah, je ne sais plus. Je faisais référence à un truc. Tu as le mytho, t'es un gros mytho, mec. En plus, le pire, c'est que jusqu'au moment où je te regarde, t'avais réussi à garder. Bon, après, t'as pas pu contrôler, bien sûr, parce que tu sentais tout le poids de la culpabilité sur toi. Mais voilà quoi. Au moins, la culpabilité, c'est ça qui m'empêche de dormir le soir. Bah ouais. Je sais que tu te sens vraiment coupable de plein de choses vis-à-vis de moi, donc, mais je comprends. Hein. Ah, c'est le jour où j'ai pas mis une carotte. Alors là, si tu veux commencer là-dessus, si tu veux commencer là-dessus, mec, ça va être très dur. Hein. On en restera là. Ça, voilà. Je crois qu'on est d'accord. Je pense que l'autodestruction mutuelle n'est pas la réponse à nos ouais. problèmes. Oui. Parce que là, tu sais que c'est nos limites après, quoi. C'est ça. Après, on ouvre la boîte de Pandore. Oh, t'arrêtes merde. De te faire enculer quand je suis pas là. Regarde-le. Allez. Non. Les lourds dégâts. Il y a Bigby qui va le cut. Oh oui, regardez. Attention. Ce sterner. Allez, hop. Allez, Bigby. Allez, ça continue, fait un kill. Retourne-toi. Retourne-toi, ce sterner. T'es nul. Vas-y, t'es nul. Allez, dépousse-le. Fight-le. Voilà, ramène-le. Vince, hop. Le blind, ça fait le taf. Allez, faites les dégâts. Oh, super. Vince qui a coupé la même chérie grâce à son champignon. Ah, non, je l'avais. Je pouvais le prix. Quel prix magnifique. Putain, je vous sens beaucoup vous plaindre alors que je fais tout. Et toi, Copit? Moi, je suis bien, je défonce Nasus. Voilà. Tu connais pas ta Riven, dis-moi tout. Allez, au moins aussi strong que celle de Faker. Et que ton Renekton ou pas? Parce que c'est quand même ça. Bon, Bigby, tu m'aides ou c'est quoi le principe? Quel gros bâtard. Allez, sers tellement à que dalle. Si tu fais rien, je. Tu sers. Moi, je suis pour là pour apprendre à pêcher. Je suis pas là pour te filer toute la bouffe, tu vois. Bigby n'est pas la maman oiseau. Non, mais j'en ai marre. À chaque fois, toutes les games. On a fait quoi? On a fait 500 games ensemble. À chaque fois, je fais carry. Au moins 500. Et le truc, c'est que après, du coup, tu me regardes, tu fais chat, pourquoi c'est là? Tu m'as pas carry. Je crois que j'ai peut-être même plus joué avec Cardel qu'avec toi. Bah, oh non, je pue! Allez Vincent, c'est allez. Ce qu'on appelle maître oh. sexualité. Oh là là, incroyable. Oh général Zeratul, il t'a mis la zizou. Oh là 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 là, il t'a zizouté mec. Pourquoi ton écran est gris encore? C'est bon, où t'as réussi à crever où? Bah mid. Mec, t'as 1-5. T'es donné au mid. Non mais je donne tout pour le push. Riven, on va mid. Oui. Oh tu t'es j'ai trop belle. J'ai 17 là, secondes ulti. Ah, ils t'ont vu. Ouais, toi. N'empêche, ça aura qu'à appeler. 13 secondes ulti. Ouais, moi je suis bien. Hein. Bon, j'ai autant de forme que toi, je pense. Ah non, un peu moins. 59 contre. Ouais. Ah, elle m'a fait mal là, Riff, juste avant. Ah, je suis déçu parce qu'elle était pas loin de tomber, quoi. Bon, c'est pas grave, Noir. Reprenons notre push. Oui, bah oui, hein, moi je continue. Alors, les wards, par contre, c'est un peu overrated. Bah non, depuis tout à l'heure, on se rend pas de gang du Lee Sin. Non. Ça travaille bah pas. Moi, perso, les gants, je suis content quand il les fait, je récupère des kills. Tu veux qu'on y aille ou pas? Moi, je crève tout le temps. Non. Oui. Ok. Il y a du monde au mid. Je crois qu'au mid, c'est sympa. Regardons le mid. Oh là là, là, voilà. Copit. Qu'est-ce que vous foutez? Bon, on va voilà, push. Voilà, Copit, vas-y. Non, mais Copit, il a la ceinture là. Tu veux pas, on le défonce là? Non, mais. Voilà. Superbe. On mange mes champignons. C'était pas trop mal joué. C'était voulu. C'était voulu. Ça me fait vraiment plaisir de jouer avec des diamants et tout. Je sens vraiment que le niveau est. Je crois que ça décale sur nous. Casse-toi. C'est pas grave. On le fume, mec. Quoi? Il vient de ça décale que dalle. Oh merde. Ouais, bon, là, tu te commis. Je viens pas t'aider. Quoi? Il tombe pas? Non, c'est scandaleux. Putain, j'ai une malchance incroyable dans cette game. Ok, je suis nul à la Syndra aussi, mais. Débat sur le forum. À quel moment ça arrête la malchance et commence les problèmes de mécanique? Demande à Silver Medusa. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je le fume sur des duels.
Et donc il blame la chance ou Noah, oh, superbe esquive. Ouais, bon, ça fait un peu de dégâts. Elle a combien, Larry? 4-2. Ça va, vous n'êtes pas trop fit, bande de yinches? Je vais donner un kill. Bah ouais, c'est un kill de trop. C'est certainement pas ce qui a fait la différence. Ça me permet de rejeter la faute sur toi. C'est ça le principe. C'est certainement pas ce qui a fait la différence, je pense. Tu prépares le terrain, tu regardes les stats. Elle est quoi, niveau? Et après, tu blames quelqu'un. Ok, je peux difficilement aller la tester là, je pense. Niveau 11 contre niveau 8, pas mal. Bon, Silver. Salut Silver. On a 5-6 minutes pour la caler. 5-6 minutes pour quoi? Pour finir caler, la game. Pour finir la game, je pense que c'est bon. Bah, en fait, j'ai demandé un tiers temps. Oh merde. Je l'ai demandé à moi-même. La discussion a été vraiment compliquée. Mais je pense qu'à la fin, on a fait les bons choix. Allez, vas-y. Oh là là. Court, petit avion. Un 7. Non, mais voilà, enfin, il me cale un gant K2 et pourtant, hein, Larry, je l'ai quasiment éclaté. Hein. Pourtant, d'habitude, ça te dérange pas. Je sais. Superbe. Au top, on a Enkidu donc, Bigby. Non, qui derrière vous, les mecs. Je tente de vous zizouter. Hein. Oh, il va prendre le kill sur Kopitz, c'est dur, Kopitz. Les ailes brisées, 1, 2, 3, 4. Non, Kopitz n'y va pas. C'est une très mauvaise idée. Ah merde, je passe pas, fuck. Allez, Kopitz n'y va pas. Oh oui, oh le incroyable. Alors là, j'apprécie hein. L'esquive de boxeur. Ah, par contre, là t'es dans la merde. Harry, ça fait un kill. Elle sait pas c'est que tout. Harry, Kopitz c'est dans le buisson derrière toi. Ah. Ils sont trop forts à cache-cache. Ah, ils sont sortis. Hein. On sent les mecs qui sont entraînés à bon, tout le temps coup. Fuir. T'inquiète, de toute façon, je crois qu'on n'est pas utile à grand chose d'autre, donc on continue. Ça, c'est une vraie qualité chez Chips, la lucidité. Oui. Oui, je suis assez lucide, ouais. Bon, allez, on continue. Ah, c'est bien, tu prends des wards, enfin. Ouais, ça m'aurait évité de mourir. Oh, le mec, il va rejeter la faute. Il dive comme un hinge. Ah. Bonjour, Ponasius. Il travaille de sap. Oula, j'ai... Ouh, il prend cher, mec. On le défonce, hein. Vas-y. Ah, il est en carton, Nasus. Il a quoi? Une brillance. Ah oui, il a brillance. Je suis en train de retrouver mes bats. Ah, ça va alors. On est bien. Il y a Elise qui arrive. Hein. Donc, quoi fait... Ah oui, oh, on s'arrache. Regarde bien. Je regarde. C'est bon. Bon, on y retourne, hein. Pas de résistance. The Plays, hein, mais j'ai montré quand même, j'ai marqué mon terrain, quoi. Il. Le pire, c'est que je m'exécute. J'aurais dû te laisser la tronche dans la merde. Ça c'est moche. C'est bon, on a fait un peu. Je me donne pour prendre le kill. Oh là là, regarde-moi cette stratégie en bas. Non, mais t'inquiète, hein, en haut, il y a Kopitz qui push. Bon, par contre, là, on fait un bac de qualité ou. Bon. Elle est toute seule, hein. Ok, go. Regarde, hop. Oh oui! Oh merde! Vas. Alors, sur le chat, il y a des gens qui disent narwhal, swimming in the ocean. C'est bon, on tient le coup! Mec, on les défonce. Et après, c'est Zed Feederships. Zed quoi? Ah, tu viens ou pas? Ouais, ouais. Oh! Allez! Ouais, mais tu fais mal. Allez mec, c'est le push à la victoire. Je prends le mid alors. Continue à faire la distraction. Il est plutôt solide notre distraction. Oh là là, ce Vince. Bon, on continue là. Ouais, on fait que ça. Hein. Bravo, solide. Ah, on a pris rush là. C'est ça le mot, non? C'est ça. 1-8-2. Bon, alors quelle heure est-il? Il est 22h21. Allez, on a 5 minutes. On coupe la poire en deux. Nous avons 5 minutes. Nous allons devoir aller tous au bot pour push. En plus, la tour a pris très cher.
Go. Tu vois, elle a combien? Voilà. Finalement, il y a moi qui suis pas. Même vautour, la 4 tours. Allez. Elle avait encore un. Je vais être obligé d'attendre 30 secondes à la base. Elle avait un juke. Ah ouais, pour une grosse baguette, j'avoue. Ah, parce que je sais que ce sera quasiment le dernier bac. Ouais, c'est vrai. Je meurs jamais. C'est vrai, tu as raison. Oh, Vincent, l'auto. Oh, il a mis le petit signal derrière. Il l'a mis sur le creep. Il l'a mis sur le creep. Hein? Oh là là, ce responsable marketing. Le fameux. Le fameux. Grâce à mon ami Chips. Hein. Oui, je sais. Mais tu sais que c'est quand même le seul mec qu'on connaît et que si tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, il peut te répondre je suis dans l'import-export. C'est quand même la classe, quoi. Là, tu vois que les mecs, ils pèsent. Oui, totalement, ouais. Dis-moi, Vince, moi je connais pas très bien comment ça fonctionne et tout. C'est toi qui fixes le prix des t-shirts comment c'est quoi le process? En fait, Kling vend des t-shirts et moi j'en fixe le prix. Oh là 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 là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'on voit. Une grosse responsabilité, bien entendu. Mais tant que tu l'as pas assumé sur Twitter, quelque part, tu n'assumes pas. J'ai un bouton au cas où, hein, ça tourne mal. Okay, donc on y va juste. 20 secondes d'ultime. Par contre, si tu te prends un bisou, je te laisse crever. Hein. Attends. Ouf, c'est bon. Allez, vas-y, c'est toi le tank. 18 secondes. Moi? Mais ça touche. Mais non, je suis un caster AP. Bah, t'as fait le rabat, donc, quand je te l'ai dit? Non. Bon, bah, tu vas tanker. Non, mais j'essaie des builds. Voilà, c'est tout. Je suis allé sur Boba Fire, j'invente des builds. Ils sont vraiment une team de tryharders, sans déconner. Oh, ce que je mets. Oh, c'est bon, y a pas de problème. Big B, tu t'enflammes, là. Aïe. Putain, j'ai juste oublié qu'ils avaient un bisou, j'ai couru sur la tour. Le joueur de pétanque qui a bu trop de pastis. Oh là. Aïe. Allez. Vas-y. Hein. Moi, je vais tout mettre sur un. Oui, je vous préviens. Celui-là, il était beau. Mais ça, à quoi, Copitz? Il va prendre la tour. Il prend rien du tout. On fait diversion. Je prends la tour, mec. Mais n'empêche, on continue, hein. Poc. Vas-y, poc. Je reste tranquille. Je fais la caméra. Ah, mais on continue, hein. Bah ouais. Allez. Ils arrivent pas à tenir la pression. Notre poc est trop lourd. J'ai le flow. Il reste 3 minutes. Hein. J'ai le flow d'un rappeur. Est-ce qu'il va tenter ou pas? Hop, on n'a pas le temps. Oh là là. J'ai tout mis sur Harry, les mecs. Moi aussi, je l'ai démonté. Allez. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh, c'est beau avec Copy. Équipe de génie. Copy se play. Alors là, pour une fois, mec. Ouais, c'est parti, on les pète. On bat plus là, on finit. C'était pour te donner un avant-goût de ma fat rival. J'ai kiffé ta fat Riven. Oh là là, on va la finir, attends. Bon, on va jusqu'à la fin. Hein. Je pense pas qu'on la. On finit pas sur Splash, c'est Render. Les creeps sont trop lents. Ah, pas sur. Attends, ils sont là. Oh, si elle se donne, on est bien. Ah, on peut les tours. On peut peut-être finir hein, si on arrive à. Attends, je crois que tu tentes ne choisissons pas tous la même tour, ce sera plus simple. Non. Bon, ça va être bien. Bon, c'est Render. Wow. C'est bon, on va finir, mec. Vas-y, tu vas à travers. Pourquoi tu vas tout seul? Là, vous nous faites le coup du chip d'horreur. Super. Là. Vous vous séparez tous. On est plus forts séparés, les mecs. Oui. Ah non, mec, j'envoie tellement du lourd. Ah, le chat, il doit se taper des barres. Hein, parce que là, mec, je fais des trucs c'est avec ma fibre. C'est dégueulasse. C'est immonde. Grave. 2-9-3, plutôt bien. Ah, mon brand non, également, brand, parlons-en. Son brand, il est au niveau de mon Tariq. C'est dire. Le chemin parcouru. N'empêche, on leur a défoncé leur mid lane, quoi. Allez, Big B, allez. Prends. Mange-le. 4 secondes. Vas-y, go faire un push au mid. Ouais, on va au mid, là. On va au mid, on les lâche plus. Dans ce cas-là, je prends des potes. Y'a quelqu'un, là? Ouais, je suis là. Vas-y, tu peux y aller. Si tu multis, j'ai ulti. Moi tout de suite, je vais faire un truc de ouf. Faut les bait. Même s'ils sont tous sur le stream. Mais non, mais moi, c'est pas un bait, là. Elle peut me one-shot. Oh là là, Vincent. Vincent, il a pas le temps. 1, 2,
3. Oh, il fait mal. C'est bon, les mecs. Suivons Vincent. Ouais, oh, il prend le kill. Exceptionnel. C'est superbe. Oui, lui. Lui, oui. Oui. Quelques trolls, c'est la soirée quand même. Allez, copite. T'es présent ou pas? Superbe, oh, copite. Bonne piscine à toi. Alors, regardez, on va prendre top. Heureusement que je suis la copite. On a beaucoup de gens qui adorent la piscine. Attention, la tour. Ah non, putain, piscine, c'est bien. Bam. Oh, t'es mort. Ah merde. Vas-y, on le défonce. Mais. J'ai le heal dans une seconde. Oh oui. Allez, la tour, messieurs. Fais que ça. On va quand même. On va l'avoir ou pas? On a un méga creep, c'est parti. Une tour. Il est pas important le mec qui bouge derrière. Oh merde. Oh là là. Oh les tryharders. Oh là 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 là. Allez, silence. Je l'ai pas. Je pense qu'il te manquait plus que le silence. Bon. 22h28. Messieurs, il nous reste 2 minutes. Ouais, mais on va le faire. Les 2 minutes du peuple. Allez, on fait un dernier push. Easy. Non, mais n'empêche, on a ruiné la map quand tu regardes. Il y a pas mal de. De PGM Chipsu. Chipsu, les PGM. Quoi? Ah oh, putain, que. On pouvait tous me rajouter à Vince du 93. Ah! Non, moi, c'est fan de Booba. On rappelle Vince, Easy, responsable marketing. Allez, on y retourne, messieurs. Pour New Gaming sur Twitter. Ah, et mon Twitter, c'est pareil. N'empêche que j'ai pas un stuff finement. Vince Dinner 3, RPZ. L'ulti, il régène masse. Ah, ton stuff, tu fais plus comment ton ulti. Tu aurais pu publier mon Twitter plutôt que mon Skype, qui est de la merde. Bien. Attendez-nous, les mecs, attendez-nous. En fait, j'ai perdu mon point de vie, j'ai l'impression de rendre beaucoup de vie. Ouais, ça c'est sûr. Bon. J'ai le charme féerique, je suis bon. Oh putain, Enkidu avec Force de la Trinité Skarner. Je m'adapte. Mon Skarner, c'est. Du lourd. Alors, on va les avoir, tour. Roi de l'évolution. On va les avoir au poc, regarde. Laissez-moi poser des champis. Mets en place le siège. C'est bon, regarde. Bon, le siège est en place. Je prends Harry, comme d'hab. Merde. Ouais, Harry, c'est bien. Harry, c'est pas mal, ouais. Est-ce que vous savez, c'est quoi le son du Nari? Ah là, bien joué, ça, Noir. Vite à Firewind. Et dehors! Et on est bien. Allez, la tour! Voilà, reste tranquille. Oh, elle est morte. Scopit, c'est servi, on gagne. Allez! Oh, c'est bon, fini là. Allez, c'est bon ça. Allez, le bâtiment! Livraison! Victoire en 30 minutes, pas plus! Oh oui! Alors. Oh oui! Quel groupe de génie! Non, l'inhibiteur! Oh là! On tirait une game des LCS avec des retournements toutes les 10 secondes. Tu sais qu'avec Copit, on en a gagné une comme ça la dernière fois. Non mais les mecs, on l'a gagné comme la game. On a gagné une game parce que notre clip a respawn et qu'on l'a pas. C'est méga improbable. Hein. Hop. Je ne perds jamais avec mon Skarner. Le Skarner de Big B représente. Voilà. Et du coup, on va très vite rendre l'antenne parce qu'on a gratté 10 minutes à Tolki. On va quand même laisser le mot de la bon fin troll qui. C'est son émission. Voilà, c'était la dernière émission de Big B. On va lui laisser le mot de la fin. Big B. C'est la dernière 100% comestible. Non. Bah, non. Mais je pars. C'est vrai. Bon, d'accord. En fait, il y aura encore plein de 100% comestibles. Sans moi. Moi, ce sera sur cultandclick.com à 19h. D'une manière générale, Greg is Big B sur Twitter. Et là, en fait, c'est pas que moi qui vous le dis. C'est moi et moi et moi. Bref. Donc, Greg is Big B sur Twitter. Et je ferai certainement un post de blog pour pourquoi je pars, tout ça. Mais bon, il n'y a pas vraiment de. Il fallait que les choses changent, ça faisait 2 ans, et merci au chat. Vous avez tenu compagnie à Big B pendant toutes les soirées de réa. C'est clair. Et oui, premier modérateur. En fait, c'est à cause de vous qu'il part. Ouais, il y avait 2-3 commentaires. C'est genre,
J'ai pas kiffé. Du coup, là, je démissionne pour avoir une prime de licenciement et pouvoir me faire refaire le nez au Brésil. Tu vas pas avoir grand-chose. Hein. Bon courage à toi. Enfin, bref. Bon, bisous à vous. Cultenclick.com le lundi à 19h. Et on va certainement faire une page YouTube. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et on mettra des vidéos de trolls régulières, c'est-à-dire les vidéos les plus connes d'Internet. Je ferai la série genre une fois toutes les deux semaines. On verra. Voilà. Bisous à vous, c'était un plaisir et voilà. Et sinon, je réalise Memory Card demain, mais c'est du truc pas mal. Voilà. Du détail. Si c'est des mineurs ou ça, bah. Ça marche. Voilà, bisous les gars. Et à tout de suite pour du Up Champions. Ciao. Et merci à Chips et Noix. Merci à eux. Merci pour l'émission. Merci à toi. Merci à toi, Mick. Ciao, ciao.